côté de Todd Reardon, Lars Eller, Carl Hagelin et Travis Boyd. Alors voilà, c'est reparti. C'est le dernier droit, là, vraiment. Voilà Jensen qui quitte sa position, appuie l'attaque. Mais bon jeu de Scandella qui a remis à Tatar. Voilà le 3 contre 2, très franc. Tatar retarde son tir, la passe, le remet. Tatar a ralenti le jeu, mais regardez bien sur votre écran, c'est un 3 contre 2 qui se transforme en 3 contre 3 parce qu'on attend. Mais le jeu d'attiré fait le travail. Hoché est hypnotisé par le porteur de rondelle et oublie Jeff Petrie. Fin seul, c'est Scandella qui a amorcé tout ça. Un simple geste avec un bâton actif pour la remise à Tatar. Regardez le jeu d'attiré, tout le monde regarde Tatar, on oublie Petrie. Glisse la rondelle sous la jambe à droite de Braden Holtby en appuyant l'attaque. Verana reprend à Bäckström, à Carlson, bâton brisé. Price fait l'arrêt. Oshie s'empare du retour. Une minute à la pénalité. Tiens de Wilson et le but. Ben, c'est un joueur dangereux, mais c'est un joueur qui est dangereux dans tous les sens du terme. On ne peut pas l'oublier près du filet. Ne rate pas. Il est positionné dans l'enclave lorsqu'il change de direction. La passe de Verana est encore... J'ai dit que ça avait été une belle mise en scène la première fois. Ça en était toute une la deuxième également. Wilson lui redirige et va battre de vitesse Price qui doit regarder par-dessus l'épaule gauche alors que Verana revient. À la pénalité, remet derrière. Passe vers Leipzig. Quelle occasion encore ratée. Et la Price ferme la porte. Oh, et Petrie fait dévier la rondelle derrière son gardien. C'est pas vrai. Et c'est 2-1 les Capitals. Le 1 décembre dernier va récolter le but, la passe transversale pour Leipzig. Et écoutez, Petrie vraiment voulait simplement... Et sa passe est interceptée par Carlson. Et voilà un dégagement récupéré par Shea Weber qui hésite un peu là. Et devant le filet, le tir et le but! Ben, l'hésitation de Weber a ouvert la porte. D'abord à Kuznetsov, mais ensuite tu as parlé de Verana. Oshie était là sur la séquence. Et ça, c'est un but qui va faire très mal. 3-1. Perd possession juste ici. Le travail par la suite de Kuznetsov. Et quand même. Lors de... Domi remet vers le devant du filet. C'est repoussé par Oshie. Le disque revient en faveur de Suzuki. La passe devant le tir! Déjà. Ben, le mot de la fin. Occasion créée de toutes pièces par le travail de Domi. Est-ce que cette rondelle touche dans le filet? Non, elle touche le poteau. Ouais, donc, ne traverse jamais la ligne des buts. Armia, lui, qui célèbre. On va s'assurer que cette rondelle n'a pas traversé la ligne des buts. Voilà le tir, le poteau. Ah non. Et oui, la rondelle ne traverse pas entièrement. La foule croit que oui, mais ça semblait pas complet, bloqué par Weiss, qui veut reprendre la part de Thompson, mais le jeu manque en synchronisme. Voilà ensuite l'arrivée de Suzuki. Weiss tire le but! Dale Weiss à son 500e match! Et c'est maintenant 3-2! Il est lorsqu'on lui refile... Et retourne péniblement au banc du Canadien. Et là, le croc en jambe d'Orloff sera encore une fois effacé. Qu'est-ce que Weiss a raté? Il avait le but égalisateur. Il donne un retour du lancer initial de Cousins. Obi fait tuer une extrémiste. Et Weiss. Vous voyez qu'on aurait pu décerner une pénalité pour avoir accroché Tata. Oui. Voilà Kovalchuk. Oh, le tir capté par Obi. Et. Kovalchuk a mis du temps. Les Capitals ont réussi à neutraliser toute la soirée. Ça. Voilà Suzuki. Il remet derrière. Petrie s'avance. Et là, la rondelle va à Carl Hagelin. Hagelin remet à Bäckström. Le tir du revers. Et le quatrième but des Capitals va leur donner une 34e victoire. Meilleure équipe à l'étranger depuis le début de la saison. Et tu parlais des prouesses défensives, des joueurs importants comme Bäckström même. Et encore une fois, à domicile, il y aura des choses difficiles à comprendre. Ouais. C'est que l'effort est là, Marc, et on garde un très bon souvenir de la troisième période.